Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment brancher les fils de votre autoradio. En général, quelquefois vous achetez une voiture et la personne d'avant a coupé les connecteurs de l'autoradio, c'est-à-dire les connecteurs du faisceau électrique de la voiture. Donc je vous explique en détail comment brancher votre autoradio, à quoi correspond chaque code couleur. Voilà, surtout, si vous connectez votre autoradio, vous soudez les fils et vous mettez une gaine thermorétractable. Une gaine thermorétractable, ça coûte 50 centimes, 60, 70 pour un mètre. Donc, pour 60 centimes, vous avez votre autoradio, c'est nickel. Vous ne toucherez plus jamais rien. Car si on met les autoradios, ça a tendance à faire des mauvais contacts, plus ou moins. Même, vous allez juste le mettre sur les dominos, vous allez rentrer l'autoradio dans son boîtier anti-vol et déjà vous aurez des problèmes. Les haut-parleurs vont plus fonctionner, à un coup vous allez prendre une bordure, ça va sauter. Voilà, franchement faites-le, ça vous revient à rien du tout. Vous connectez tout, vous passez, je vais vous expliquer vite fait, vous passez la gaine thermo, prenez 3 ou 4 cm, hein, c'est pas la peine de plus, vous la glissez avant de nouer vos fils. Vous nouez vos fils ensemble, vous la soudez, et là vous rabattez la gaine thermorétractable, un coup de briquet et c'est terminé. Ça prend 2 secondes, c'est 100 fois mieux qu'un domino. Voilà, donc je vous envoie tout de suite vous expliquer le code couleur et on y va, c'est parti. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer le code couleur des fils d'autoradio. Donc à savoir qu'il y a un code couleur. Normalement c'est une norme, mais c'est pas toujours respecté. Donc voilà, je prends notre radio bas de gamme, c'est juste pour vous expliquer. Alors, on va l'ouvrir. On s'en fout. Et l'autre radio, on s'en fout aussi. Voilà. Donc, on va connecter tout ça. Voilà. De toute façon, il y a un sens. Voilà. Donc, vous avez ce paquet de fils. Bien souvent, des voitures, on a coupé les connecteurs. Donc, vous vous retrouvez avec une poignée de fils. Donc, à savoir, sur les autoradios, il y a deux parties. Première partie, alimentation. Deuxième partie, haut-parleur. On va commencer par la ligne. Le fil bleu. Fil d'antenne. Ou on peut appeler ça aussi le fil remote. C'est ce qui va à l'ampli. Ou si vous avez une antenne électrique, c'est ce qui déclenche l'antenne électrique. Le rouge. Donc le bleu, c'est fait. Le rouge, c'est le plus après contact. C'est-à-dire quand vous coupez le contact, il n'y a plus de courant. Voilà, en fait, c'est comme ça que vous pouvez repérer. Contact allumé, 12 volts. Pas contact, pas de contact allumé, 0 volts. Ça, c'est fait. Le noir, c'est la masse. Le jaune, c'est le plus permanent. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à la batterie. En passant par un fusible, bien sûr. Et le rose, on va vérifier, mais je crois que c'est le fil break. Rose. Ouais, c'est le fil qui va offrir un parking. Vous n'êtes pas obligé de le brancher. Et si vous n'avez pas de son à votre autoradio, vous le branchez avec la masse. En fait, c'est le fil du frein de parking. C'est-à-dire que quand vous mettez le frein à main, l'autoradio s'éteint, le son s'éteint. Voilà, c'est à peu près ça. Donc si vous avez un problème de son parce que vous ne l'avez pas branché, vous le branchez à la masse et ça va aller. Voilà, donc on a fait le tour. Maintenant les haut-parleurs. De toute façon je vous mets une image qui va apparaître là avec tous les codes couleurs. Donc
un haut-parleur, deux haut-parleurs, trois haut-parleurs, quatre haut-parleurs. Donc, le gris, c'est le gris, je dis pas de conneries, le gris et le blanc. Voilà. Le gris et le blanc. Donc, le gris, c'est l'avoir droit. Vous avez gris, et gris avec un liseré. Gris avec le liseré, c'est la masse. C'est le moi de l'haut-parleur. Le gris tout court, c'est le positif. Donc là, vous avez l'avant droit. Avant gauche, pareil. Blanc positif. Blanc avec le liseré négatif. Donc à l'arrière. Donc arrière droit. Le violet. Pareil, positif, négatif avec liseré. Arrière gauche, c'est le vert, positif, vert avec le liseré, négatif. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, je vous ai mis l'image du code couleur. Au revoir à tous. Surtout, n'oubliez pas. Abonnez-vous.